Hé, hey, Boozer. Bordel de merde. C'est drôle, je repensais à la fois où... Il y a plusieurs étés de ça, Sarah m'a emmené à Bear Creek. Pendant qu'on cueillait de la lavande, elle m'a... appris à... Elle m'a appris à faire un baume pour les brûlures et... Écoute, je suis sorti aujourd'hui. D'accord? J'ai inspecté la montagne, relevé quelques pièges. Mon bras est presque rétabli. Très bien. Ok, je vais le laisser ici et... Hey, laisse-moi encore un ou deux jours. D'accord? Puis on file au nord, comme t'as dit, loin de cette merde. Ouais. C'est ça. Ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? On a été violemment attaqués. Des Reapers. Une vingtaine, peut-être plus. Enfoiré de Reapers. La petite dont tu te souciais tant. Lisa? Attends, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Lisa? Disparue. Il l'a enlevée avec trois autres. Alka, il les a suivis aussi loin qu'il pouvait, mais ils sont terrés au cratère Belknap. Il est revenu pour rassembler quelques hommes. Bordel. Ok, écoute. J'ai vu ce que ces fils de pute font à leurs otages. Pas question d'attendre. Ouais, je passerai dès que possible. Terminé. Thank you.
Ça t'a plu? Un seul de ses cheveux aurait pu merde. Je vais tous vous buter, que vous l'ayez touché ou non. Tiens bon, Lisa, j'arrive. C'est quoi? C'est Alisa? C'est pas un Reaper en tout cas. Les empreintes. Taille d'ado. C'était sûrement Lisa. Elle a été traînée par ici. Si vous avez touché à un seul de ses cheveux. Jusqu'au dernier. Ouais, pourquoi tu vas pas trouver la voie, plutôt? Ils sont morts, enfoiré. Ils rejoindront pas ta putain de secte. Qu'est-ce qui cloche et c'est taré? C'était quoi ce bruit? C'est les âmes libérées qui mènent la danse, hein? Sauf si elles sont toutes mortes. Non, elle est pas là. Où t'es, Lisa? Elle est forcément quelque part par là.
que le monde entier se soit trouvé. Nous en avons fait le cercle. Et nous y jusqu'au bout. Je dois renoncer. Je dois renoncer. Je dois renoncer. C'est pas trop tôt, hein, saloperie. Personne vous rejoindra! Souris, t'as été trouvé, pas vrai? Tiens bon, Lisa. Quoi qu'il se passe, essaie de tenir bon. Lisa, je viens de sauver. Bon, je vais aller voir. Elle doit être par là. Là-haut, ils l'ont fait monter de ce côté. Lisa doit être là-haut. J'arrive, petite. Là! Là!
Tais-toi, tais-toi. Lisa, c'est moi, Deacon. Tu te souviens? Deacon. Ok, ça va. Tout va bien, tout va bien. Allez, viens. Ça va? Merde, tu peux courir. Tu sais où se trouve le centre pour visiteurs? Super, c'est là que j'ai ma moto. Je veux que tu cours là-bas, le plus vite possible. T'arrêtes surtout pas. T'arrêtes pas quoi qu'il arrive. T'es prête? Allez, fonce. Ok, c'est bon. Lisa, baisse-toi, cache-toi. Ma moto. On est en sécurité maintenant. Est-ce que ça va? Non. Écoute-moi, il y a un camp à Lost Lake, au sud d'ici. Ça n'a rien à voir avec Hot Spring. Iron Mike est pas du tout comme Madame Tucker. Je hais Madame Tucker. Tu seras pas toute seule là-bas. C'est un chouette camp. Et c'est un lieu sûr. D'accord. Accroche-toi. Ricky! Ricky, réponds! Ricky, t'es toujours sur ce canal? Quand Lost Lake, répondez! Deacon? Ça fait un bail. Qu'est-ce que tu veux? Oh, fais pas chier, viens me voir, ok? Rendez-vous au croisement de l'autoroute des Cascades et de la route d'Olbelnap. J'y vais tout de suite. Tu sais ce qu'Iron Mike a dit la nuit où Boozer et toi vous êtes partis? Ah ouais, ça. Écoute, c'est pour ça que c'est toi que j'appelle, et pas Schizo. Iron Mike a pas besoin d'être au courant. J'ai une gamine avec moi. Quoi? Enfin, pas une gamine, une survivante. Elle a survécu longtemps dans ce merdier. T'as une survivante? Et tu l'emmènes à Lost Lake? Non, c'est toi qui vas l'emmener à Lost Lake. Je vais te la confier. Ricky, t'es là? Ouais, d'accord. Je me mets en route. Terminé. Ricky? Ouais, de rien, surtout. Tu vas te plaire là-bas, petite. Comme je te disais, Iron Mike, c'est un mec bien. Il crie beaucoup, mais ne laisse pas te plomber le moral, d'accord? Sinon, il y a un type qui s'appelle Schizo. Si t'emmerde, tu le dis à Ricky. Ou alors, dis-le à Adi. C'est le médecin du camp. Va lui dire. C'est une chic fille, Adi. Elle a des médocs, du matos, la totale. Elle désinfectera tes plaies. Ce serait con que ça s'infecte. Elles t'aideront. T'as compris, petite? Tu peux compter sur elles. Même si tu chies dans la colle. Ok.
Salut, Ricky. Salut, Dick. Je suis surprise. Tucker fait plus dans le commerce d'esclaves. Lisa, je te présente Ricky. Elle va te conduire à l'abri. Rien n'a changé, Dick. Iron Mike te paiera pas pour ça. Oh, mais te fous pas de moi. Pardon, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis pas venu récupérer une prime. Est-ce que tu peux l'emmener? Hein? Qu'est-ce qu'elle a, Deacon? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a croisé des Reapers sur sa route, j'ai dû... Oh, Seigneur. Hé, hey, Lisa. Salut, je suis Ricky. Dis-moi, est-ce que t'aimes pêcher? Moi, j'adore ça. Je crois même que c'est ce que j'aime le plus au monde. Ça te dit qu'on aille pêcher? Ouais? Viens, tu vas découvrir Lost Lake. L'eau, il est si clair que t'en croiras pas tes yeux. Et les poissons, incroyable. Le matin, ces poissons, ils peuvent sauter jusque-là. Je te montrerai, tu verras, on va bien s'amuser. Accroche-toi bien à moi, surtout. Prête? Merci beaucoup, ouais. Dick, tu me reçois? Hot Springs pour Deacon St. John. Tucker, je te reçois. Je pensais que tu serais revenu depuis le temps. T'as retrouvé Lisa? Non, Tuck, non. Les Reapers l'avaient trop amochée. Elle s'en est pas tirée. Mais merde! On avait besoin d'elle. Les travaux d'excavation vont prendre encore plus de retard maintenant. Écoute, vois le bon côté des choses, Tuck. Ça te fait une bouche de moins à nourrir, pas vrai? T'as intérêt à me trouver de la manœuvre de remplacement où j'aurai bientôt plus aucune bouche à nourrir, mais j'ai terminé. Ouais, pas de soucis.